Et alors ? Vous me dites que vous voulez parler à Cricket Rockwell ? Mais je suis Cricket Rockwell. Vous voulez savoir si je vais bien ? Je vais bien. Vous me dites que vous êtes le propriétaire de la station de télévision de Saint-Andrews ? Oh, ça, je suis étonnée. Vous me dites que vous avez vu mon émission de caméra coquine et que vous m'offrez le poste de directrice de la programmation de la station ? Ça, c'est toute une surprise. Et d'autant plus que je pars dans une chaussure. Oh, regardez Cricket, c'est absolument charmant. On nous offre de jolis chapeaux. Oh, quelle douce attention. Madame, monsieur, bonsoir. Oh, pour la dernière fois, Lewis. Et qui est cette mystérieuse madame, monsieur, à laquelle vous faites constamment référence? J'ai connu une madame, monsieur, jadis. C'était une transsexuelle. Et après son opération, elle a changé son nom pour monsieur, monsieur. Cette anecdote me fait regretter l'échec de ma tentative de suicide il y a 20 ans. Quelle est la soupe du jour, Lewis? Une soupe à la tomate. Oh, vraiment? En êtes-vous certain? Oui, j'y ai moi-même goûté. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle goûtait, cette soupe à la tomate? Elle goûtait la tomate. Elle goûtait la tomate. Êtes-vous soudainement un spécialiste de la tomate, Lewis? Votre mère était-elle une tomate? Je ne m'en souviens pas. Avez-vous un diplôme de l'Institut international des goûteurs de tomates? Je connais assez bien le goût. Vous connaissez assez bien. Vous ne le connaissez pas parfaitement, mais vous le connaissez assez bien. Oui, je... Silence! Étiez-vous seul lorsque vos lèvres ont agressé cet innocent potage? Lui avez-vous caressé la louche? Avez-vous fait l'amour à l'hôtel ou dans la soupière? Répondez! Lorsque votre langue fut plongée dans sa texture onctueuse, avez-vous ressenti un gonflement de l'appareil géniteur? Vous êtes-vous senti mal lorsqu'il a touché vos lèvres? Avouez que vous l'avez avalé! Et alors, demandez, la salope! Elle aimait ça! C'est arrivé si vite, elle me titillait! Cet homme a molesté un bol de soupe! Nous prenons la salade en entrée, Lewis. S'il vous plaît. D'accord. Bright. J'ai accepté un poste à la direction de la station de télévision de Saint-Andrews. Mais, Cricket, notre enfant... Le poste ne lui a pas été offert. Mais bien que je sois heureuse d'être enceinte, j'accoucherai dans 2 ans. Eh bien voilà que je suis en colère. Je mets mon joli chapeau, ma cape, et je quitte, plein de dignité. Quel développement tragique! J'aimerais en parler à ma sœur jumelle, Ashley, mais elle est introuvable depuis des jours. Où peut-elle bien être ?